Tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'heure est fort avancée. Vous savez, nous sommes passés là où il y a des deuils, il y en a beaucoup. Des fois, okutamina matanga jusqu'à minuit. Des fois, tu te retrouves à un deuil jusqu'à minuit. C'est la soeur qui dit, reviens car il y a du travail demain. En tout, que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prendre deux pierres. Le premier chapitre. Le verset 1. Pouvons nous arrêter au verset 12. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Simon Apetelo, Mumbu, Pen, Thomas, Yesu Christo. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et pas bye bye mbati katina libula, kondima moko yanta lomoko na oyabiso. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Nabokasi boyebi. La connaissance, la maîtrise ou la tempérance. Naboyebi komikanga. À la maîtrise ou à la tempérance, la patience. Na komikanga motema molai. À la patience, la piété. Na motema molai boule. À la piété, l'amitié ou l'amour fraternel. Na boule bolingo ya bandeko. À l'amour fraternel, l'amour na bolingo bandeko bolingo ngo ou la charité bolingo ngo. Car si ces choses sont en vous, zambi soki biloko bi besoin mikati na bino, et ils sont avec abondance bebizali na koikana, ces choses ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ye azali moku felimiso. Il y en a beaucoup. Bazali ebele. Il ne voit pas de loin. Yazali komona mosikate. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Peatiaki katina kobosa na bopetola mi ya masumu na yakala. C'est pourquoi frère. Denatino na bandeko.
Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Bomi pesa mingi penza yako kembisa mbela na bino pe kopona mana bino. Car Jambi. En faisant cela, na kosala kango, vous ne broncherez jamais. Bokoko ya tamukete. C'est ainsi, en effet, Zalina bongo zokande, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ kati na bokonzi yango ya yala yala ya nkolo na biso pe mobiki Jesu Christo vous sera largement accordé. Et ko pesa mabino na monene penza. Voilà pourquoi talanitina je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Na ko senzela pona ko kanisela bino makambo maye. Bien que vous les sachiez. Atako boyebi yango. Et que vous soyez affermis, vous soyez affermis dans la vérité présente. Atako bosela ko yeba yango pe busa ko kembisama kati na solongo sa saipi. Amen. Amen. Togwegova. Pour asseoir. Nous allons prendre quelques restes d'écriture et après nous allons sortir. Lelo ezali journée chômée. Aujourd'hui c'est une journée chômée. Eza fête du travail. Ezali nteke ya mosala. Et fête ena. Et cette fête là. Makambo mabanda na États-Unis d'Amérique. Les choses ont commencé aux États-Unis d'Amérique. Na Chicago. À Chicago. Ba travailleurs bazaki nde ko réclamer droit na bango. Les travailleurs réclamaient leurs droits. Et ainsi de suite. Et bongo na bongo. Makomi na France. Et c'est arrivé en France. Et finalement, bazu mokolo moko na kati ya mulungu. Et finalement, il a été arrêté un jour dans le monde entier. On a ba travailleur ba kokabongo kopema. Pour que les travailleurs puissent se reposer. Majorité abikolo ya mokili bazo pema. La majorité des nations du monde se repose. Mais quelques-unes ils ont fait pour la bangote le 1er mai. Kasi na bikolo mosusu ezala kate nteke ya misala pona bango. Ndakisa ba Japon. Par exemple au Japon. Et d'autres nations, moi ya ko énumérer ngo nyonso ezate. Et d'autres nations n'a pas moyen de les énumérer toutes. Mais vous qui travaillez. Kasi bino boye bosalaka. Qui êtes travailleurs. Boye boza basali. Boye biango. Vous le savez. Surtout les fonctionnaires. Pour les capitaines pas fonctionnaires. Et Moussala Eza et Logoya Moutouya. Et le travail c'est quelque chose d'important. Eza et Logoya Moutouya. C'est quelque chose d'important. Ata Konzambe Yemei. Même si Dieu lui-même. Aza Moussaliango. Dieu lui-même est le travailleur. Il n'y a pas de plus grand travailleur que Dieu. C'est vraiment un travailleur. Et au commencement, Dieu a travaillé. Tout ce que nous voyons. Des choses invisibles. Et visible. Na bien bizali comme on en a. C'est le travail de quelqu'un. Bizali mosala motomoko. Travail d'Elohim. Mosala Elohim. Amen. 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 Je crois ezana tembete. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Et ici sur la terre. Bien wana mabele. Il a travaillé pendant 6 jours. Asala kikati na mikolo motoba. Et le 7e jour. Pena mikolo masambo. Il se repose. Apemak. De son travail. Outa Moussala Moye. De son œuvre. Outa Moussala Moye. C'est clair et net. Zali polele, polele penza. Mais au commencement. Kassine Bandeli.
Il créa les cieux et la terre. Akela ki balola mpe mabele. Et c'était l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire le travail de Dieu. Les cieux et la terre. C'est son travail. C'est son œuvre. Son ouvrage. Nous pouvons prendre un tout petit peu ici. Dans l'épître aux Hébreux. Il est écrit ceci. L'apôtre se réfère au psaume 102. Nous lisons ceci. Psaume 102. Il est écrit ceci. Verset 26. Verset 25. Nous lisons ceci. Je dis. Nalobaki. Mon Dieu. Zambe nangai, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Kolongo langai te uta katikati na mikolo nangai. L'enlèvement ici. Kolongo neto la mawa. Lobaka kolongo. Kolongo la mawa. Ce n'est pas l'enlèvement de l'épouse. Ezalite koneto la mawa si libala. En d'autres termes, c'est la mort. Et lo beni mosusu ezaliwa. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Amen. Amen. Toi qui ne meurs point. Yo yo kufaka sokomokete. Tes années durent éternellement. Même tes jours, tes mois, et tes semaines. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est le travail de tes mains. Ils périront. Mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu le changeras comme un habit. Et ils seront changés. Mais toi, Kasio, tu restes le même. Hier, aujourd'hui, lelo, éternellement. Tu ne changes pas. Et tes années ne finiront point. Parce que tes années durent éternellement. Toi-même, tu es éternel. Amen. Amen. Ici, nous le voyons. Tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ton ouvrage, ton œuvre. Ton travail. C'est ça le travailleur. Il devait aussi sélectionner ou chercher un jour. Décréter un jour de repos. Comme les gens l'ont dit. Le 1er mai. Ah, non, la parole de Dieu.
Et l'apôtre Paul. Pentoma Paulo. Où l'écrivait la lettre aux Hébreux. Tomo komeli amokande pa baibele. Au verset 10 du chapitre 1. Mo kapomo yambo ya baibele molongo mazomi. Du chapitre 1. Et ya moka, verset 10. Mo kapomo yambo ya moka. Et encore. Peli susu. Toi, Seigneur. Yo nkolo. Tu as au commencement fondé la terre. Yo na ibande lo bandisa ki mabele. Et les cieux. Te balola. Sont l'ouvrage de tes mains. Le travail de tes mains. Tu as travaillé. Yo salaki. Pour que les cieux et la terre existent. C'est toi qui as travaillé. Yondo salaki mosal. C'est le résultat de ton travail. De ton ouvrage. Ou de ton œuvre. Ils périront. Mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Amen. Tes années dureront éternellement. Dureront éternellement. Toi, tu ne changes pas. Yo, obonga nakate. Tu restes le même. Ozotika lolenge moko. Et encore. Elisusu. Malachi. Malakia. Verset. Chapitre 2. Malakia mokapo mbale. Totangi boy. Nous lisons ceci. Donc balola tomona na mabele ya musalango ya nzam. C'est-à-dire les cieux et la terre que nous voyons sont l'ouvrage de Dieu. C'est le chapitre 3 de Malachi. Ezamo kapomami sa to Malakia. Verset 6. Na molongo motoba. Car je suis Yahvé. Jambi nazali Yahvé. Je ne change pas. Na bongwa na kate. Yahvé ne change pas. Yawa bongo na kate. Il reste le même. Akotika lolenge moko. Il demeure le même. Yatika lolenge moko. Les cieux et la terre changeront. Kasi balola pe mabele ko bongo na. Mais Yahvé ne change pas. Kasi Yawa bongo na kate. Il ne changera point. Ko bongo na tamukete. Il n'a jamais changé. Atika la ko bongo na tamukete. Il ne peut pas changer. Akokite ko bongo na. Et il ne changera jamais. Ya ko bongo na katamukete. Amen. Amen. Hébreux au chapitre 13. Baibele na moka pomazo na misato. Toko tanga boy. Nous lisons ceci. Oui. Yo. Aza Yahweh. Il est l'Éternel. Ya bongo na kateo. Lui ne change pas. 13 verset 8. Zomi na misato mulongo mwambe. Totangi boy. Nous lisons ceci. Commençant même au verset 7. Kobandakata na mulongo masambo. Souvenez-vous de vos conducteurs. Bomikanise là-bas kambina bino. C'est-à-dire des apôtres du commencement. Ikoba bantoma e bandeli. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Baye basangela kibino lilobango na nzambe. Parce que l'église est édifiée. Jambi église kotongama. Sur le fondement des apôtres. Likolombo ko bantoma. Si la parole annoncée par les apôtres et des prophètes sur cette doctrine des apôtres du commencement, du début. Alors souvenons-nous de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenons-nous de Paul, de Pierre, de Jean. Considérons quelle a été leur fin. Totala malamu ni nangwezala kisuka na bango. Quelle a été la fin de leur vie. Ni nangwezala kisuka ya bomo na bango. Comment ils étaient morts. Dengini ni bakufaki.
et imitons leur foi. Ayons la même foi que la leur. Une foi commis de père et des enfants. Car Élie devait venir et restaurer la foi afin de ramener le cœur des enfants à leur père. Amen. Amen. La foi biblique. La foi selon les Écritures. C'est comme cela que nous croyons. Pourquoi? Il dit cela. Abiango. Il nous donne l'explication. Il dit. Jésus-Christ. Jésus Christ. Est le même hier. Hier, le même. Aujourd'hui et éternellement. Tout babalé. Nous n'en avons pas deux. Bayeba koumera lulenge moko. Qui demeure le même? Non. Non, non. Seulement un seul. C'est-à-dire Yahvé. Ikoba Yahvé. Qui ne change pas. Oh, bon, on a raté. Qui demeure le même. Oh, mais Yahvé est devenu Jésus. Quand Yahvé a commencé Jésus. Et Jésus ne change pas. Payez bon il demeure le même. Longue hier. Aujourd'hui. Lelo. Éternel. Payez qu'on a seco. Car Yahvé de l'Ancien Testament. J'aime bien ouais Abouka ni Bokala. Et Jésus du Nouveau Testament. Azali Jésus Abouka ni Bosika. C'est la pleine révélation d'Elohim. Ya Elohim. L'Ancien et le Nouveau Testament. Yahvé est devenu Jésus. Yahweh a commencé. Il demeure le même Elohim. Le même Dieu. Qui ne change pas. Dans sa doctrine. Dans sa parole. Dans ses œuvres, dans ses fruits, il ne change pas. Amen. Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Alors, celui qui ne change pas, ses œuvres peuvent changer. Parce que les cieux et la terre sont l'ouvrage de Dieu. Ils changeront. Mais le travailleur ne change pas. Il demeure le même. Oui, frère. Les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Le temps change. Les siècles changent. Mais Dieu demeure le même. Dis-le au Balianza. La parole de Dieu. Mais la voilà. Dieu, lui, ne ment pas. Il est le seul vrai Dieu. Et la vie éternelle. Oui. Yo. Il est l'ancien des jours. Azali Mpakangwa Mikolo. C'est le grand Mukubwa. Et c'est le vrai Mukubwa, Mukubwa Yakala. Le grand. Oya Monene. Le grand Mukubwa. Le grand Mukubwa. Le souverain Mukubwa. Le souverain Mukubwa. C'est notre Dieu. Ezali Nzambe na biso. Il ne change pas. Yakobongo na kate. Même dans ses heures, il fait les mêmes choses. Il garde sa nature, sa sainteté. Amen. C'est comme cela que nous. Sa vie est la même. Ses œuvres sont les mêmes. Amen. Amen. Oui. Yo. Balingami katina nkolo. Bien aimé dans le Seigneur. Encore dans Genèse. Lisusu katina Genèse. Chapitre 2. Et bien, mon capo, moi, m'balé. Si manaye kosa la cieux et la terre. Après qu'il a fait les cieux et la terre.
Il a fallu au chapitre 1, verset 3. Parce qu'au verset 1 du chapitre 1er de la Genèse, au commencement, Dieu cria les cieux et la terre. C'est ce qu'il avait fait. C'est son travail. Ça, c'est au commencement. Pas à l'éternité. Mais au commencement. Elohim créa. Elohim a créé les cieux et la terre. Point. Maintenant, on nous donne la description de la terre. La terre était informe et vide. Mabele mazanga ki lolenge mpe mpamba. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ezoma ki na militu na etando ya libulu mozindo. Et l'esprit de Dieu. Peli mwango na Nzambe. Se mouvait au-dessus des eaux. Eze ko pimba pimba likolo na bamayi. Se mouvait. Eze ko tambo koningana. Donc l'esprit de Dieu était en mouvement sur les eaux. Et les eaux étaient mouvementées par l'Esprit de Dieu. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit était descendu. Il y a eu un bruit. Et c'était l'arrivée du Saint-Esprit sur les savants. Et l'Esprit se mouvait sur eux. Ils étaient en mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il demeure le même. Maintenant, verset 2, 3, Dieu dit, il est celui qui parle, qui dit, et la chose arrive. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit que la lumière soit. Et on attendait l'arrivée de la lumière. Parce qu'il dit et la chose arrive. Et la lumière fut. C'est l'arrivée de la lumière. Appelé à l'existence. Par le Tout-Puissant. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Tout ce qu'il a créé, c'était tout simplement par sa parole. Sa parole parlait, prononçait. Il disait, la chose arrive. Il disait, la chose arrive. Il ordonnait, la chose existe. Tel que nous le lisons ici, si je n'oublie, bien-aimé dans le Seigneur, le premier travailleur, c'est notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre qui soit plus que lui. L'infatigable. Il n'a jamais été paresseux. Ya komata mukete goigoi. Non. Te. Le bon Dieu. Nzambe wa malamu. Le bon travailleur. Mosali ya malamu. Oui. Iyo. Biso tozondima ndenge wana. Nous c'est comme cela que nous croyons. C'est dans Psaume. Ezande kati na loyembo. Balinga mikati na kolo. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole est merveilleuse. Quelle parole? Celle de Dieu. Elle est vraiment merveilleuse. La parole de notre Dieu. Nous lisons ceci.
Il est écrit comme ceci. Psaume 33. L'Oyembo Tumisato Misato. Au verset premier. Namolomoyambo. Juste. Bayenge Bene. Réjouissez-vous à Yahvé. Bo sepela katina Yahweh. La louange sied aux hommes droits. Licence au Lilibongi na bato ya sembo. Célébrez Yahvé avec la harpe. Boku misa Yahweh longo na linzenza. Nanjenje. Et longo na nzenze. Célébrez-le sur les luttes à 10 cornes. Boku misa ye na lutte ya basinga zomi. Chantez-lui un cantique nouveau. Bo yembela ye loyembo ya sika. C'était un ordre. Chantez-lui. Un cantique nouveau. C'est pourquoi de racheter dans les ciels avait chanté ce cantique nouveau. Prenons un peu Apocalypse. Et dans Apocalypse chapitre 5. Oui. Et 14. Nous entendons, nous lisons ce cantique nouveau. Oui. Bible lobi. Bible dit. L'agneau. Moi n'a pas au verset 8. Mon nom est quand tu lis, pris le livre. Ouan est-ce que tu as vu quand les quatre êtres vivants. Bizalimine n'a pas moi. Et les 24 anciens. N'a pas encore tout balayé n'a se prosternèrent devant l'agneau. Bagouma m'a dit le bossement n'a pas tenant chacun une harpe. Ko simbaka moko na moko nzenze. Et des coupes d'or. Na bankeni yaolo. Remplies de parfums. Oyetondi na malasi. Qui sont? Oyezali. Les prières des saints. Mabonde liya basanto. Et ils chantent un cantique nouveau. Bebaze ko yemba loyembo moko ya sika. Chantez-lui un cantique nouveau. Oh, yasika. Et l'ordre a été exécuté. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne yo bongi de prendre le livre yango et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait deux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Étant un royaume constitué des rois et ils régneront sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Pas dans les cieux. Mais sur la terre. Avec lui. Pendant 1000 ans. Donc Pierre a lobi. Quoi Pierre dit? Tango biroko yobiko zoama katina bino. Quand ces choses seront en vous. Pebo affermir élection nabino. Et affermir votre élection. C'est ainsi que l'entrée vous serez largement accordée dans son royaume éternel. Dans son royaume éternel. L'entrée dans son royaume éternel. Vous serez largement accordé. Boko pesa mina bino na bonene.
Ça ne sera pas rétréci, vous entrerez. Va, mais d'abord, vous devez devenir ces participants. Bo sengeli ko koma ba sangani na ye. Des participants de sa nature. Ba sangani na lolenge na ye. Naître de nouveau. Ko bota masika. De son eau et de son esprit. Na mai peneli mona ye. De sa semence et de son esprit. Na mumboto peneli mona ye. Pour une espérance vivante. Boneli kyango na bomoyi. Oui, frères et sœurs. Yo bandeko basi mbali. Biso tozo ndimande bon. C'est comme cela que nous croyons. Voyez-vous, cantique nouveau et yembamaki. Un cantique nouveau a été chanté par les rachetés. Oh, la parole de Dieu. Au chapitre 14. Oui. Yo. Il est écrit ceci. Ces gens le voyaient. Verset 1er. Il dit, je regardais et voici. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes. Et le monde est bateau 144 000. Qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Le fils était venu dans le nom ou au nom de son père. Et le nom de son père, c'est le nom du fils. Amen. Amen. Et il pouvait prier. Père, Père Saint. Tata Monsanto. Garde-les. Bate la bango. En ton nom que tu m'as donné. Kati na nkombo na yo oyo pesa kingai. Garde-les en ton nom. Bate la bango kati que tu m'as donné. Oyo yo pesa kingai. C'est le même nom. Ali kombo moko moka. Le nom du Père. Kombo ya tata. C'est le nom du Fils. De kombo ya mwana. Oui, frères et sœurs. Et il dit, d'abord, il regarde. Yambo yambo, azalaki kotala. Et voici l'agneau. Pate. Se tenait sur la montagne de Sion. Ça, c'est une vision. Avec lui, 144 000 personnes. Et l'on est bato, kamamoko. Qui avait son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Quel bruit! Le même ici. J'en l'avais entendu. Pour la toute première fois. En Apocalypse 1er. Verset 15. Au verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ils avaient qui pembe. Comme de la neige. Lokola mamwe. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Misunezali ko lokola ndembo na moto. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ma colonnaise e kokanaki na mota ko ezali kopela. Comme celui-là avait été embrasé dans une fournaise. Lokola nde tumba maki katsali tumba na moto. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alléluia. Amen. Sa voix. Et ici, j'entendais du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe. Et
joie de leur harpe. Voyez, frère. Et quand nous regardons, Psaume, oui, yo. Et c'est quand tangaki, là on a lu, c'était quand il y a un psaume, hein? Hein? Hein, pardon? 33. Donc, verset 3. D'abord, verset 2. Yambo. Célébrer Yahvé avec la harpe. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici. Jean nous dit. J'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe. Certainement, ils ont pris leur harpe pour les célébrer. Joie de leur harpe. Mais qu'est-ce qu'ils chantaient? En joie de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a une différence ici. Le verset 1, Jean voit l'agneau sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes. C'est ici sur la terre. Au moins 3 ou 4 fois. J'ai visité la montagne de Sion. C'est là que Christ a côté de Mawana. Il se tiendra là-bas. C'est une prophétie. C'est une promesse. Et Dieu veille ici sa parole. Il n'est pas encore descendu. Il descendra. Après l'enlèvement. D'abord, il y aura un enlèvement de l'épouse. Et nous irons dans le ciel. Et nous entrerons dans la nouvelle patrie. Le nouveau pays. La nouvelle ville. La cité de Dieu. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. La cité dont Dieu est les deux à la fois. L'architecte Moyemi et le bâtisseur. Il est allé nous la préparer. Je vais vous préparer une place. En d'autres termes, il nous disait, je vais vous construire une ville, une nouvelle cité, une nouvelle patrie, un nouveau pays. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, c'est-à-dire je vous enlèverai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus fut monté aussi jusqu'au-dessus de tous les cieux. C'est là où il habite. Et c'est là où il est allé nous construire la nouvelle cité. Au-dessus de tous les cieux. Et c'est là que nous irons. Le jour de l'enlèvement. Nous dépasserons tous les cieux. Pour nous amener là où il est.
Yazande au-dessus de tous les cieux. Yazande likolo ya balola nyonso. Je ne vante rien. Ce n'est pas de ma nature. Je répète ce qui est écrit. Oui. Prêche la parole. C'est l'ordre reçu. Et la parole, c'est ce qui est écrit. Et bien aimé dans le Seigneur. Oui. C'est comme ça. Joie à Éphèse. Prenez Éphésiens. Au chapitre 4. Au verset 7. Namulongo mwasambo. Mais à chacun de nous, namoko la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ngolongo pesamela maki engebene pimelo ya Christo. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Oh, Zokande. Que signifie? Il est monté. Sinon, Sokite. Qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Si, d'abord il était descendu. Yambo yambo kitaki. Dans des régions, Katina Bituka, des provinces inférieures de la terre. Bituka yansé amabele. Il était descendu. Akitaki. Jusqu'en enfer. Kino na lifelo. Et au paradis. Bena paradis. Des régions inférieures de la terre. Bituka yansé amabele. En enfer. Katina lifelo. Il était descendu. Akitaki. Pour aller prêcher les âmes qui étaient en prison. Qui étaient incrédules. Au temps de Noé. Pendant la construction de l'arche. Et ils demeuraient incrédules. Ils n'ont pas cru. Et quand ils étaient morts, ils étaient descendus en enfer. Et Jésus est descendu dans cette région de perdus. Il est allé les prêcher. Une prédication sans résultat. Pourquoi? Parce que c'était la même prédication dont ces envoyés prêchaient, dont Moïse prêchait. Comme ils avaient refusé de croire pendant qu'ils étaient vivants sur la terre, ils ne pouvaient plus l'accepter après la mort. Parce qu'ils gardaient le même âme. Zambi, batikala, bazeko batela milimo moko moko wana. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Molimo nande sengere kokufa. Ils avaient péché. Basumukaki. Leurs âmes péchaient. Molimo na milimo na bango zaiko sumuka. Voilà. Bongo. Et ils devaient mourir. Bo basengela kokufa. Est-ce que ça prenait? Est-ce que c'est clair? Mais pour la seconde fois, la prédication les a suivis. Ils ne pouvaient plus croire. Parce qu'on avait publié le résultat. Mbano. Bah, ils ont échoué. Ils ne pouvaient plus avoir la réussite. Parce que l'examen Zokomama avant la mort. L'examen est écrit avant la mort. Même les réseaux comme maman avant la mort. Même aujourd'hui, les résultats sont écrits avant la mort. Examen. L'examen. Et ce que va publier en haut avant Okufa. Et si on publie on dit ma quitté, que tu n'as pas cru. Ce que Okufi n'étawana. Si tu meurs dans cet état-là, tu demeureras dans ce même état-là. Ozaga na zéro na kati ya bulletin. Tu as un zéro sur le bulletin. Attends, balandi yo. Nali fait le côté ya yo. Ensuite, prêcher en enfer, tu ne croiras pas.
Amen. Amen. Yangoyo. Ça se trouve ici. Nous ne vantons rien. Donc tous les locataires. Tala. Voyez. Dans 1 Pierre. Dans mon copain Telo. Au chapitre 3. Na mon copain Sato. Verset 19. Mon langage vient à l'ibo. Commençons par 18e. Tout le monde a mangé. Christ aussi. Christ au père Cola. A souffert une fois pour les péchés. Anyoko maki bala moko pour masumu. Lui juste a souffert pour des injustes. Et cela a fait d'amener des injustes à Dieu. C'est-à-dire a fait de nous amener à Dieu. Nous qui étions injustes. Christ a été mis à mort. Quant à la chair. Christ était Dieu dans la chair humaine. Christ au moment qui Kati na musuni amoto. Dieu était mort. Zamba kufaki. Dans sa chair. Kati na musuni na ye. Et cela est sa contrée. Bene ango tembezalite. Car Paul nous dit. Zambi Paul a copié sa biso. Cela est sa contrée. Oh na tembezalite. Le mystère de la piété. Ibo mama ango abo zambi. Est grand. Eza monene. Dieu. Zambi. A été manifesté en chair. Ami moni sa Kati na musuni. Et il a été mis à mort. Père Bomama Maki. Ce Dieu-là qui nous a été manifesté en chair. Zamba Mounsa Maki Piso. Il a été mis à mort. Père Bomama Maki. Quant à la chair. Il rendit vivant. Père Zongi Samaki Nabomoi. Quant à l'esprit. Noeta le limo. Car il a l'esprit éternel. Zambi Azue Limo Yalala. Et Dieu est esprit. Père Zamba Zelimo. Et son esprit est éternel. Tous les esprits ne sont pas éternels. Il faut que nous fassions la différence. Lucifer. Lucifer. Était aussi un esprit. Il est devenu Satan le diable. Son esprit n'est pas éternel. Car il mourra. Des anges. Et tous sont des esprits. Des esprits. Milimo. Et des anges des chiens. Ce sont des anges qui avaient suivi Lucifer. Ils sont devenus des démons. Des tourmenteurs. Banyokoli. Dont nous avons reçu le pouvoir de les chasser, de les déloger, de les mettre dehors, en déroute. Alléluia. Amen. Et tout cela au nom du Père qui nous garde. Que le Père a donné à son Fils. Jésus. Yeso. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, frères et sœurs. Omoni. Et les démons mourront. Ce sont des esprits. Je ne vante rien. Ce n'est pas de mes habitudes. Non. Je ne suis pas porteur de fausses doctrines. Écoutez. Ici. Awa. Dans Hébreu au chapitre 1. Verset 13. Et auquel des anges as-tu jamais dit? Assieds-toi à ma droite. Yo fanda na loboko nanga ya mobali. En aucun. Ata na mokote. Aucun âge. Na mwanje mokote. Ton Dieu lui a dit. O nzamba yebisaye. De s'asseoir et à sa droite. Afin dans le bocon non. T'es. Non. T'es. Mais il a dit cela. Mais ça le bat yango. Au fils. Et pas à moi nango. Assieds-toi à ma droite. Afin dans le bocon d'ayamobali. Jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. Il a été nago commissa baini na yo etel onaya makolo. Et des anges. Benabangelo. Et tous. Bango banso. Ne sont-ils pas des esprits. Bango bazalite milimo. Si. Iyo. Ils sont tous des esprits. Banso bazali milimo. Alléluia. Amen. C'est ça. Bongo. Des anges. Bangelo. Ne sont-ils pas tous des esprits? Banso bazali milimo te.
au service de Dieu. Na mosala mwanzambe. Oui, oui. Iyo. Il le sont. Bazali bongo. Deux esprits au service de Dieu. Bazali milimo na mosala mwanzambe. Un ange. Et moi angelou. Suivi un messager. Moi angelou koloba. Un messager, c'était dans Paul. Motina mazali ntoma. C'était un missionnaire. Mazali ntoma motina. Ou bien. To. Un envoyé. Motindami. Sont-ils tous des esprits au service de Dieu? Bazali ban somili mona mosala envoyé. Ba batindami. Pour exercer un ministère. Pona kosala mosala moko. Des anges exercent un ministère. Bange le ba kosala mosala moko. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. Batindami pona kosala mosala moko. Et ce ministère mosala wana en faveur pona bolamu de ceux qui doivent hériter du salut. Ya baba sengeli kosangola lobiko. C'est nous les héritiers du salut. Bisonde basangola lobiko. Et des anges. Des angelou. Sont en notre service. Bazwami na mosala na biso. Nous les héritiers du salut. Biso basangoli ya lobiko. Et des anges exercent, sont envoyés exercer un service Bange en notre faveur. Bange le batina mi kosala mosala moko pona bolamu. Je vous dis à ma faveur. Na ko ebisa vino pona bolamu na ngai. Et à ta faveur. Pena bolamu boyo. Toi tu es plus grand qu'un ange. Yo zali monene koleka mwanje. Parce que toi tu es engendré. Jambi obotama de Dieu. Obotama na nzambe. Tu as la nature de son père. Yo zwa lolengi ya tata na yo. Aujourd'hui tu as la vie de son père, de ton père. Tu ne mourras plus jamais. Tu vivras éternellement avec ton père qui est éternel dans l'éternité. Oh. En tout cas, la parole de Dieu. Mais quelle douceur. C'est pas le goût sucré mais de miel. En tout cas, il y a solo penza. Des anges. Bangelo. Ne sont-ils pas tous des esprits? Banso bazali milimote. Si, ils le sont tous. Banso bazali milimo. Et des esprits au service de Dieu. Bazali milimo na mosala mwanzambe. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. Et ce ministère qu'ils exercent en faveur de nous qui devons hériter du salut. Amen. 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 Dieu ne peut pas faire de moi un envoyé auprès des anges. Non, il ne peut pas m'envoyer. Mais il envoie des anges. Envers moi. Et pas une angaï. Sois message. Yo. Prends ce message. Va le dire à Lila. Est-ce que ça peut le dire? Est-ce que c'est clair? C'est la parole de Dieu. Ils ont le balai ensemble. Ah oui. Oui. Yo. Ce sont des anges. J'allais banjo. C'est Gabriel. C'est Gabriel. J'avais attendu que Gabriel n'a message et pas à Maria. Dieu a envoyé Gabriel avec un message auprès de Marie. Attendu et pas à Zacharie. Il l'a envoyé auprès de Zacharie. Attendu Gabriel et pas à Daniel. Il l'a envoyé Gabriel auprès de Daniel. Attendu moi ange et pas à Jean. Il l'a envoyé un ange auprès de Jean. Atina moi ange pas à Branham. Il envoie un ange auprès de Branham. Atina moi ange. Il envoie un ange. Et pas ya. Auprès de. Azraga Moussakolite. Il n'était pas un prophète. Totangi mundimi moko. Nous citons un croyant. Ou bandimi babale. Ou deux croyants. Ou bien Bassat. Ou trois. Toti kotangaba. Venons de les citer. Totangi Zacharie. Nous avons cité Zacharie. Totangi pe Maria. Nous avons cité Marie. Mon côté na bango azaki Moussakolite. Aucun d'entre eux était prophète. Mais j'avais attendu la ribango. Un envoyé céleste. Mais Dieu leur envoie un envoyé céleste. Mais j'en citerai un autre. Oui, bien. Le connaissez-vous? Non. Qui?
hein? Corneille. Ils sont nombreux dans la Bible. Héritiers du salut. Tous ceux-là sont des héritiers du salut. C'est comme cela que nous croyons. De même que Jésus est plus que les anges. Nous nous sommes frères de Jésus. Nous sommes au-dessus des anges. Nous nous assierons sur des trônes. Mais les anges ne s'assieront pas. Ils seront là tout autour. Quand les anges marchent, nous ne les gardons pas. Mais l'ange de l'éternel campe. La parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Dans la bande de Wasu Pembali. Tozokoba. Nous continuons. Omone. Voyez-vous. Ils sont. Bazali. Des esprits. Milimon. Au chef de Dieu. Namosala Mozambé. Envoyé. Batindama. Pour exercer un ministère. Namosala Moko. En faveur de nous. Ponabola Monabiso. Qui devons hériter du salut. Bisobaye Tosengeli Kosangla Lobi Congo. Omone. Voyez-vous. Mais ils mourront. Kasibako Koufa. Malgré qu'ils sont des esprits. Comme Dieu est esprit. Et aussi sont des esprits. Mais ils mourront. L'esprit de Dieu. Pourquoi ne peut pas mourir? Parce que c'est un esprit éternel. Qui n'a pas été créé. Qui n'a pas été appelé à l'existence. Mais des anges, malgré qu'ils sont des esprits, mais ce sont des esprits créés, appelés à l'existence par la parole du Tout-Puissant. Et comme ils avaient eu un commencement par leur création, ils auront aussi une fin. Ils pourront aussi avoir une fin. Les anges qui n'auront pas une fin. Ce sont seulement les anges qui ont gardé leur position. Qui n'écoutent que Dieu. Qui ne mangent que la parole. Qui n'acceptent que la parole. Parce que même la manne est appelée dans la Bible la nourriture des anges. La manne qui tombait, c'est la nourriture des anges. Et c'est la même nourriture que nous mangeons aujourd'hui. Voyez, frère. Et les anges qui mangeaient de la manne. Comme nous aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle manne. Parce que même les enfants d'Israël qui avaient mangé la manne dans le désert, tous firent mourir. Ils étaient tous morts. Mais nous mangeons une manne cachée. C'est-à-dire la parole écrite, cachée et révélée. Nous mangeons le fruit de l'arbre de la vie. Qui est Christ? Le pain de vie descendu du ciel. Et c'est aussi la nourriture des anges. Ils n'écoutent que Dieu. Et ici, nous n'écoutons que Dieu. Et tout celui qui écoute Dieu ne mourra point. Il vivra éternellement dans l'éternité avec l'éternel. Mais tous les autres qui acceptent des interprétations parmi des anges qui sont des esprits mourront parmi des hommes de la terre qui ne sont que chers et aussi dans leurs âmes mourront. Amen.
Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est clair? C'est comme cela que nous croyons. Oui, frère. La parole de Dieu est merveilleuse. Notre Dieu, le bon Dieu. Nous le croyons avec raison. C'est comme cela. Oui, oui. Yo, yo. Alors, Jésus. La bongo Yeso. Comme nous le lisons ici. Oui, oui, hébreu. Yo, non, baibel. Mais c'est un Pierre. Zande moko petelo. Au chapitre 3. Oui. Yo. Verset 18. Bolongo zo bina mwambi. Christ aussi a souffert. Christ opelo kola nyoko maki. Une fois. Bala moko. Pour le péché. Nantina masomo. Lui juste. Ye mwenge bene. Pour des injustes. Nantina bazangi sembo. Il a souffert. Ya nyoko maki. Il a été mis à mort. Ya bomamaki. Quant à la chair. Kota lela kamusuni. Il rendit vivant. Azong samaki na bomoi. Quant à l'esprit. Kota lela kelimo. Car son esprit est éternel. Jambe limonez ali ela ela. Dans laquelle il est aussi, il est allé prêcher aux âmes en prison. Il est allé prêcher aux âmes en prison. Et l'écriture est juste dans laquelle il est aussi allé. C'est une répétition. Aussi. Nenge mokope. Bozongeli. Aussi. Lokola. C'est-à-dire encore. Parce qu'il a prêché. D'abord ici sur la terre. Mais il est aussi allé. Prêcher aux esprits en prison. Aux âmes en prison. Voyez frère, regardez. Quand un homme meurt, l'homme, il n'y a que deux morts pour l'homme. Amen. D'abord, Yambo. La première mort, Liwa Liboso, c'est quand l'âme quitte le corps. C'est la première mort. Eza kufa Liboso, qui est appelée la mort physique. Eh bien, mi kufa yanzoto. Amen. Mais la seconde mort, Asi kufa mbale, c'est la mort de là. Eza li kufa molimo. Elle s'accomplira quand l'esprit quittera l'âme. C'est comme ça. Dans chaque mort, il y a une séparation. La première mort s'accomplit quand l'âme se sépare de notre corps. Et la seconde mort s'accomplira quand l'esprit. Voyez frère, sera séparé de l'âme. Et la mort, sa signification, c'est la séparation. Amen. Est-ce que ça pourrait aller? Est-ce que c'est la séparation? Les abokabouane. Alors, batebele, bazo yebate. Alors, beaucoup de gens ne savent pas. Bazo kanisa que. Ils pensent que. Il y a une décomposition. Les ali na abokabouane mukemuke mokoboy. Tang moto akokufa. Quand quelqu'un meurt. Parce que Dieu, quand tu l'as créé, l'homme. Il a créé premièrement. Akira ki yambo. Esprit. Elimo. Ensuite, Nasima. Il l'a formé de la poussière de la terre. Il a sifflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Tozana Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 27 et Genèse 2, verset 7.
Et l'homme est devenu un être triple. Et j'allais habiter le Misato. Corps de chair, l'esprit et l'imon et l'âme. Un être triple. Et j'allais habiter le Misato. Amen. Amen. Est-ce que ça pourrait aller? Est-ce que c'est clair? Et beaucoup de gens pensent que quand il meurt dans son corps de chair, dans son corps terrestre, il y a une décomposition. C'est-à-dire l'esprit quitte l'âme, le corps quitte. Et non, l'âme quitte le corps. Non! Si tu fais cela, au précipiter la seconde mort, tu précipites la seconde mort avant le temps. Liboso en tango. Frère, ah, la parole de Dieu est terrible. La seconde mort s'accomplira en son temps. Quand? Après le jugement dernier, nde accomplissement penza yakufa ya mibale. C'est ça là l'accomplissement de la seconde mort. Oyo lingi koloba. Tu veux dire kufa ya milimo. La mort des âmes. Ah, c'est ça. Alors kobo maba mesikate. Alors ne tue pas les âmes maintenant. Les lotés. Pas aujourd'hui. Ikokufa. Elles mourront. Ézéchiel a lobby. Ézéchiel dit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celle qui mourra. Pas celle qui meurt. Pas aujourd'hui. Mais elle mourra. C'est au futur. À l'avenir. Et Jésus dit. D'abord, il dit dans une des lettres adressées aux âges de l'Église. Kati na moko mikanda miyemitina mina bileko ecclesia. Et la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Et kozo soko mokite po konjiri kona bango. Oui. Yo. N'aura point de pouvoir. Et kozo soko mokite po konjiri. Non, non. Tete. Sur le croyant. Le croyant ne mourront pas. Par cette mort-là au futur. Le croyant peut mourir. Maintenant. Ça, ça est dans leur corps physique. Mais dans leur âme. La seconde mort. N'auront point de pouvoir. Mais la première mort a le pouvoir aujourd'hui sous les croyants. La première mort avait même tué le Messie. Mais il a perdu son pouvoir. Le Messie l'a vaincu en ressuscitant d'entre les morts le troisième jour. Et il a été déclaré le conquérant vainqueur, le puissant vainqueur. Il a vaincu la mort, la mort qu'il avait tuée. Il l'a vaincu ensuite. Mais sa victoire sur la mort, c'est la garantie de notre victoire sur la mort. Je dis ici par rapport avec la mort physique, la première mort, Christ l'a vaincu. Amen. Et nous la vaincrons aussi. Le jour de son retour, l'épouse parole vaincra la mort. Est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est clair? Quand la mort est bomaka Messie le Rédempteur. De même que la mort avait tué le Messie le Rédempteur. Et le Messie l'a vaincu le troisième jour. Mais Messie a longa qui angona mokolo mamisato.
La Bible dit, parce qu'il n'était pas possible que le Messie soit retenu par la mort. La mort l'a relâché. C'est comme elle a vomi. Et il l'a vaincu. Il a triomphé sur la mort. Alléluia. Amen. Est-ce que ça pourrait aller? Est-ce que c'est clair? Et les morts en Christ, ceux qui meurent en Christ aujourd'hui, les saints du Nouveau Testament, comme aussi les saints de l'Ancien Testament, dans sa première venue, le Messie, quand il fut ressuscité, même les saints de l'Ancien Testament avaient aussi vaincu la mort. Parce qu'ils étaient ressuscités avec Christ. Est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est clair? Et nous attendons notre victoire. Notre tour nous va venir bientôt là. Tous ceux qui meurent en Christ, ce sont eux qui ressusciteront premièrement. Et en ressuscitant, ce jour-là, ils vaincront la mort. C'est-à-dire la mort du Seigneur, non, la victoire du Seigneur sur la mort se manifestera dans son corps qui est l'Église. L'époux. Et on posera la question à la mort. Yoka. Écoutez. La parole de Dieu. Oh, Balinga. Oh, bien-aimé. Zambé Nabiso. Notre Dieu. Zambé Mala. Il est le bon Dieu. 1 Corinthiens 15. Mokoba Kolintozo Minamitan. Totangi Boui. Nous lisons ceci. Na verset 51. Molongo Matuku Mitano Namoko. Voici. Tala. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Et cela, en un instant, encore, en un clin d'œil. Quand, à la dernière trompette. Comment ça sera? La trompette sonnera. Et les morts, ajoutons en Christ, ressusciteront incorruptibles. Et nous, les vivants, nous serons changés. Car nous ne mourrons pas tous. Et il dit, Lobby, car Jambi, il lui faut que, et Sengeli était, comme il a fallu, loko le Sengelaki, et maintenant il lui faut que ça, ça peut Sengeli était, ce corps corruptible Zoto ya Kopola, revête l'incorruptibilité. Eza elata bo zangi Kopola. Et que ce corps mortel Bete Nzoto ya Kokufa revête l'immortalité. Et la tabo Zandi Kokufa. Maintenant, Sikoyo, lorsque ce moment-là arrivera, Wanantangwane Kokoma, c'est-à-dire lorsque ce corps corruptible aura revêti l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêti l'immortalité, après, c'est-à-dire alors, s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Engloutie. Dans une autre sorte de tsunami. Oh, babiang victoire ya Golgotha. Oba kobianga elonga ya Golgotha. Ya puissant vainqueur. Ya molongi nanguya. La mort est engloutie. Liwe melami. Dans cette victoire de Golgotha. Katina elonga ya Golgotha. Du rédempteur. Ya mosikoli. Amen. Amen.
Est-ce que c'est clair? Oui. Yo. La mort a été engloutie dans la victoire. Regardez. Botala. Parce que la même, le même verset était accompli. Quand les saints de l'Ancien Testament furent ressuscités. Et encore, quand les saints de l'Ancien Testament du Nouveau Testament seront ressuscités. La même parole a une double application. Ça s'accomplira de nouveau. Oui, parce que quand Paul parle ici, il ne parle pas du passé, mais du futur. Oui, frère, d'un présent futur. Oh, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est merveilleuse. Parce qu'il se classe lui-même. Nous ne mourrons pas tous. Il ne parlait pas de ceux de l'ancien, mais ceux du nouveau. Amen. Oui. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La victoire. Et voici la question. Oh mon, où est ta victoire? Toi qui tuais les patriarches, toi qui tuais les prophètes, qui tuais les apôtres, maintenant où est ta victoire? Toi qui s'auto-proclamais victorieuse, maintenant où est ta victoire? Sur les génies de Dieu, sur les saints. Alléluia. Amen. Où est ta victoire? Et il nous explique. Oh, Zokande. Non, non, il continue. Encore une deuxième question. La première, oh mon, où est ta victoire? Deuxième, oh mon, où est ton aiguillon? Il nous donne l'explication. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et Dieu a triomphé. Il a vaincu le péché. Le Seigneur Jésus a vaincu le péché. Il l'a même anéanti. Il l'a même écrasé. Croyez-vous cela? Sa victoire était sur beaucoup de choses. Sur la mort, sur le péché, sur la maladie, sur l'enfer, sur les démons, sur Satan. Croyez-vous cela? Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. La parole de Dieu. Même la loi et les ordonnances. Avec toutes les choses qui nous condamnaient. Ont été crucifiés avec Christ. Et anéantis par la croix. Je vais vous le lire. Regardez. Lisez ici. La parole de Dieu. Notre Dieu, le bon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Colossiens. Prenez Colossiens. Omono. Tu vas voir. Yoka. Prends Colossiens, tu vas voir. Écoute. Azoué bisabiso boy. Il nous dit ceci. Na Colossiens 2. Colossiens Mibale. Verset 9. Mon nom est Liboa. Car en Christ. Jambi Katina Christo. Habite corporellement. Et Zaliko Fanda no Lenga Zoto. Habita corporellement. Tope Fanda Kina Lenga Zoto. Toute la plénitude de Dieu. Liton d'union sur Abonzambe. De Dieu. Liton d'union sur Abonzambe.
ou de la divinité. Toutes les qualités divines. La plénitude de toutes les qualités divines habitait en lui. Mais l'Église aussi, il nous dit, vous avez tout pleinement en lui. La même plénitude, nous l'avons aussi en lui. Parce que tout ce qu'était Dieu était déversé en Christ. Et tout ce qu'était Christ ou qui était en Christ, toute la plénitude était déversée dans l'Église. Et l'Église a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Il y a Bodon du bon sort, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination. Il y a Bodon du bon sort et de toute autorité. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, par l'épée de l'Esprit, qui est la parole, qui consiste, cette circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, du vieil homme, avec toutes ses convoitises. Il faut un dépouillement. Bulungola mi boso. Tout dépouillement. Alléluia. Oh notre Dieu, le bon Dieu. Cette vieille nature doit être dépouillée. Cette nature pécheresse doit être dépouillée. C'est la vraie circoncision. On enlève la prépuce. Voilà. Bongo. C'est un dépouillement. Cette prépuce-là puisse sortir, être enlevée. Nous voulons que qu'on voit ce que tu es. Comme un nouvel homme. Que les vieils hommes disparaissent. Amen. 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 Vous voyez, en devenant participant de sa nature divine, ou de sa nature, voilà. Bongo. C'est-à-dire, vous devenez comme Dieu. Comme il le dit. La nature de Dieu est esprit. Quand tu es né de nouveau, tu deviens esprit. La nature de Dieu est parole. Quand tu es né de nouveau, tu deviens parole. Une parole de Dieu. La nature de Dieu est sainte. Quand tu es né de nouveau, tu deviens saint. Dieu est parfait. C'est ce qu'il est. Et quand tu es né de lui, tu deviens parfait. Dieu est bon. Quand tu es né de Dieu, tu deviens bon. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Soyez bon comme votre Père céleste est bon. Soyez esprit comme votre Père céleste est esprit. Soyez vivant comme votre Père céleste est vivant. Il est vivant. Soyez aussi vivant. Ndenge ya jali. Tel qu'il est. Vous aussi soyez-le.
Amen. Est-ce que c'est clair? Soyez saints. Vous êtes saints. Comme votre Père céleste est saint. Soyez travailleurs. Comme votre Père céleste est travailleur. C'est le temps de travailler. Ce n'est pas le temps de se reposer. Le peuple de Dieu aura un jour du repos. Cependant, le millénium, nous nous reposerons à cet âge. Mais si nous avons un repos aujourd'hui, c'est un esprit. Ce repos-là, c'est le Saint-Esprit. Et nous nous reposons de toutes nos œuvres de la chair. Ce sont des corvées sataniques. Et nous nous reposons dans un repos éternel. Nous ne retournerons jamais au travail. Le monde entier aujourd'hui se repose. Majorité des nations de la terre. Mais demain, ils recommenceront les mêmes travaux. Mais nous, quand nous entrons dans notre repos, c'est pour toujours. C'est un repos éternel. Nous nous reposons de commettre d'adultère, de fornication, de l'impudicité, de vol, de ceci et cela, de tous ces travaux-là, nous nous reposons. Alléluia. Et nous ne retournerons plus à ces travaux-là. Nous ne retournerons plus. Aujourd'hui, il reprend le travail. Nous ne retournerons plus au vol, aux critiques, à tout cela. Nous ne retournerons plus. Le Seigneur nous a fait reposer. Il nous a lancé une invitation. Vous tous qui êtes fatigués, venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Voulez-vous ce repos-là? Allô vers lui. Oui, allez à lui. Afin qu'il vous fait reposer. N'antine te ape mi sabino. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous entrons. En d'autres termes, c'est comme dans le huitième jour. Ou bien dans le septième jour. Qui est notre repos spirituel. Oh, bien dans le Seigneur. Avec le huitième jour, c'est le repos sabbatique. Oui, yo. Mais avec le huitième, c'est un repos éternel. Le huitième jour, c'est un nouveau commencement. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune semaine qui totalise 8 jours. Chaque semaine n'a que 7 jours. Et le 7e jour, c'est le samedi qui est appelé sabbat. Le repos. Samedi signifie repos. Amen. Amen. Et notre repos à nous, c'est ça. Maintenant même. Sur le Saint-Esprit, selon Esaïe 28. Oh, la parole de Dieu. Mais elle est succulente comme ça. Hein? La parole. Esaïe 28. Regardez Esaïe 28. C'est ici. Ah, j'ai trouvé ça. Il dit ceci. C'est quoi? Isaïe 28? Oui. Isaïe Toumbele na Mwambe? Oui. Oui. 28. Toumbele na Mwambe? Abandi. Verset 8. Mwonga Mwambe. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Bame sanyon se tondi na bisanza pebipolu. Lelo. Aujourd'hui. Lobi. Demain. Toute la semaine.
Toutes les tables où tu iras manger. Nourriture spirituelle. Et elles sont pleines de vomissements. Pena bosoto. Et d'ordures. Et il dit, ah oui. Il n'y a plus de place. Et les sous les aucune table. Attends, mais ça mon côté. Propre. Il y a péto. La seule table. Mais ça mon kaka. C'est celle du Seigneur. Et allo yankolo. Qu'il a garni. Oh, il a tondi ça. Il a garni cette table. Tondi ça, mais ça va non. Pour les siens. Pour n'abaou yaye. Amen. Amen. Et nous sommes tout autour de cette table. Et nous mangeons de la table du Seigneur. La nourriture fraîche. La bonne nourriture. Nourriture succulente. Qui donne la vie éternelle à l'âme et aussi qui guérit le corps malade. La parole de Dieu nous sauve et nous guérit. Alléluia. C'est ça la véritable nourriture. Et nous mangeons cette nourriture quand nous faisons sa volonté. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Et la nourriture du premier-né, c'est la nourriture des premiers-nés. La nourriture de l'aîné, c'est la nourriture de ses frères. Nous n'avons pas deux nourritures différentes. Nous n'avons qu'une seule sorte de la nourriture. La parole de Dieu. Et nous la mangeons quand nous faisons la volonté de notre Père. Faisons-la et nous serons rassasiés et nous mangerons et notre âme sera sauvée. Croyez-vous cela? Amen. Et il dit, c'est pourquoi Dieu nous a ordonné à son serviteur le prophète d'emmagasiner de la nourriture. Et il a commissionné son serviteur, le docteur, son serviteur fidèle et prudent. Le docteur Ewald de Franck a emmagasiné la même nourriture emmagasinée par le prophète et de la distribuer au temps de la grande famine. Selon Amos 3. Amos 8. Verset 11. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Quel est le chef de fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison afin de leur donner leur nourriture au temps convenant. Il est en Allemagne. C'est la question du Seigneur. Il faut lui répondre. Nous les connaissons. Il est en Allemagne. Azali en Allemagne. Amen. Amen. Oui, frère. Yo bandeko. Et après cela, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? Et pas nani balindiko la kisabwa nyango. Parce qu'on doit enseigner la sagesse. Wete basengele kola kisabwa nya. À qui veut-on donner des leçons? Et pas un an, il va dire qu'on peut ça malakisi. C'est-à-dire des doctrines, des leçons. Malakisi. On ne donne pas à n'importe qui. Bah, on donne des leçons aux disciples. Et pas à Baïkoli. Des doctrines. Malakisi. On donne aux disciples du Seigneur. Aux vrais croyants. Et pas à Bandimia Solo. Enseignez-leur. Tout ce que je vous ai prescrit. Pas seulement prêcher, mais aussi enseigner.
Mais à qui veut-on donner des leçons Malakisi. Enseigner des doctrines Malakisi. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Non, non. Oui, oui. Io. Il faut aller pas yabano bautiko kila libele. Ça doit être aux enfants qui viennent d'être sévères. Parce que moi non, azomelenano libele. Parce que l'enfant qui t'est encore. Abongana nourriture solide. Il ne mérite pas la nourriture solide. Mais oui, akili. Mais celui qui vient d'être sévère. Oko pesaye mukwanga. Tu peux lui donner de la chikwang. Amen. Amen. Il faut d'abord azala sévrer. Mais ce que azana nous sous mamelle. Ce que azana nous comme la tête. Azana nous qualité. Azana nous abongate. Il ne mérite pas la nourriture solide. Il y a un frère qui m'avait posé la question. Et il y a ça me vient à peine. Alors oui, mes frères Joseph, ah, mais, quand, bac, quand tu dis que il y a des croyants, ils ont la bandimi, bah, et bah, bongite, na nourriture solide, qui ne méritent pas la nourriture solide. Kaka dile. Obele milik. Mais le Banzam, mais ça dile. Kasi le Banzam, mais ça milik. Mais ça seul. Ah oui, c'est vrai. Le Banzam, mais ça n'était ni à milik. La parole de Dieu a une partie de lait. Ah oui. Aspect et amélikeza. Il y a l'aspect de lait dedans. L'aspect musu est comme une nourriture solide. Il y a un autre aspect là où elle devient la nourriture solide. Il y en a ba facette belle. Elle a plusieurs facettes. Et tangweza dile. Tangweza miliki. Et bon anaba enfant. C'est là, c'est pour les enfants. Ba yebaza ko alété. Qui t'est encore. Mais tango et ba comme c'est vrai. Tango batiki libele. Bakili libele. Quand ils sont c'est vrai. Bakili miliki. Ils sont c'est vrai. Alors on peut si bango oyeza solide, bon, nourriture bon, solide. On peut bango ce bilé ya makasi. Et le frère voulait me faire rappeler. De konanga kaniselangai. Na yoko ka frère Branham ou frère Frank. Il avait entendu frère Branham ou frère Frank. J'ai oublié ce que le frère me posait comme question. Il a entendu frère Branham, frère Frank, excellent. Quand nous disons ici. Exactement. Il a dit ça, nous disons. Nous parlons, nous enseignons des choses. Dans chaque chose dans son entièreté. Et le connaît le kati na mobimba nango. Dans sa vision globale. C'est ça. C'est-à-dire aussi totangé à l'obawa, l'obawa. Nous avons déjà lu, il a dit là-bas, il a dit ici, il a dit cela. Et on donne cela à l'assemblée. Mais la plupart des croyants. Quand il lit une brochure, nous pouvons ne pas savoir. Pour nous connaissons en partie. Mais. Mais pense pas seulement ça. Nous savons ce que nous disons. C'est comme un frère qui m'a posé la question. Alors, frère Joseph. Quand tu as dit. Les croyants de l'Ancien Testament. Furent ressuscités. Moi, j'ai dit, mes frères, ah, tu n'as qu'à ramener que c'était des saints. Au Seigneur, vous voulez qu'on dise que c'était des saints. Basanto. Eh, Basanto, ils ont des Basanto. C'est ça. Basanto, c'est clair. Ils ont des Basanto. Parce que vous avez appris ça. Vous avez déjà appris ça. Moto, à terre, cabine, vous avez gagné. Ce que vous apprêchez, ça, c'est seulement moi. Vous voyez bien. C'est toujours moi, vous le savez. Ramène cela. Zongi Sango. Point très ici. Ça va. Et encore. Le frère rajoute la question. Une bonne question. Le Kabaki, c'est Motuna Malamo. Ah oui, mais tant que le Kabaki que. Brigand. Et quand tu as dit que le brigand. Yébé a c'est quoi. Lui aussi était ressuscité. Est-ce que brigand a Zagéli.
Brigand Azaki Moponami. Non, mais je ne sais pas. C'est pas écrit. Si l'élite. Azaki Moponami, toi, Moponami, et comment ma tête. Mais en lisant les écrits. Kassinakotanga Kamakomi. Question y a brigand wana. La question de ce brigand là. La réponse est en colo. Et la réponse du Seigneur. Yoko organise Zana. Tu peux conclure par quoi? Brigand pose la question, Seigneur. Abinkolo. Quand tu reviendras dans ton règne. Tango koya katina bokonjoyo. Souviens-toi de moi. Kanisangai. Qui régnera avec Christ? Banani bakodon de longona Christo. Ah oui. Et Christ lui répond. Et Christ annulé. N'attends pas là-bas. Posez la tête kuna. Mais aujourd'hui, mais tu seras avec moi dans le paradis. Posez la longue langue dans le paradis. Le brigand n'a pas demandé au Seigneur d'être ressuscité au dernier jour. Brigand, tu as quitté dans le colo et tu as quoi dans le colo masuka? Non. T'es? Mais dans son règne, que le Seigneur se souvienne de lui, avec lui aussi, règne avec lui, c'était sa pensée. Et la réponse du Seigneur, il n'a pas dit non, toi tu ne régneras pas. Où tu régneras? Mais regardez sa réponse. Aujourd'hui, mais... N'attends pas ce moment-là du règne. Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le frère Branham a dit, vous savez, dans son assemblée, dans le temple, il avait une croix. Une croix en bois. Si vous avez lobby, il a dit, Oyebi na croix oyo. Il dit sur cette croix. Il y avait un côté. Brigand. Le brigand. Brigand. De l'autre côté. Seigneur nakatika. Le Seigneur au milieu. Alors nga naza brigand oyo azaki à droite. Alors moi je suis le brigand qui était à droite. Mais qui était frère Branham? Kasinde kobana mazala kanani. Eneli. Moponami. Ngaine brigand à droite. Moi, c'est le brigand de droite. C'est pourquoi na lobaki bati a croix na ngambo wana. C'est pourquoi je dis qu'on place la croix à ce côté-là. Nazande oyo wana. Parce que je suis celui-là. Nebte soki na zongili maloba ndenge esenge. C'est pas si j'ai répété les mots. Mais soki kotanga ngo na Dieu caché révélé dans la simplicité. Tout botanga ngo katina nzamba bomo. Vrai, il fait cette déclaration là-bas. Frère, Bandeko. Chaque chose a sa place. Et loko est kanango. A sa place. Et dans les écritures. L'écriture est en exactitude. Parce qu'il y a une précision, il y a Dieu précis. Car c'est la précision du Dieu précis. Bon, si qui est en Zambé, si qui est. Notre Dieu, le bon Dieu. À qui alors? C'est l'écriture. Et ça, les commis, pas en jamais on a donné des leçons ou des doctrines aux enfants comme ça. Et pas à Bana Kakaboye. Paul a l'objet Zagabongote. Paul dit nourriture solide. Ne conviez pas au bébé. Nabana Miki ba bébé. Mais au contraire, elle est conviée aux adultes. Quand le Bilia Makasi Bongite n'a pas Bakomala, Bakomela. Il faut connaître cela. Même le Seigneur lui-même. Attends, Kolemoko. Qui est la mère aigle? Qui est le bon berger? Regardez catégorie, il y a ma brebis, il y a ma sionaki. Oui, la catégorie de brebis qu'il avait mentionné. Des agneaux banampate, et des brebis. Naba meme. Des agneaux banampate, et des brebis. Naba meme. Des agneaux sont les petits. Les brebis sont les grands. Ba meme zab mikolo. C'est ça. C'est comme cela que nous croyons. Mais à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et c'est à des enfants qui viennent d'être, c'est vrai. Oui. À cela, ils peuvent supporter. Qui viennent de quitter la mamelle? Certainement. Mais ceux qui sont encore sous ma mère, qu'on allait encore, non, ils ne méritent pas une nourriture solide. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair?
Zambie. C'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. Eh bien. C'est. Par des hommes. Nabato. Simba bien, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Et au langage barbare. Et au langage barbare. Que Yahvé parlera à ce peuple. Ici, c'est la promesse de parler à langue. A été donné ici dans l'ancienne Israël. Et Katina Bokan Wasika. Bokan Bokala. Langage est barbare. Voyez, frère. Langue barbare. Lèvres barbissiantes. Alléluia. Amen. Je le parlerai à l'âme. Et il dit que l'Éternel parlera. De Yahwa Kolobela. Ma langue wana. C'est l'anglais. C'est l'Éternel qui parle. De Yahwa Kolobela. Que l'Éternel parlera. De Yahwa Kolobela. Il parlera à qui? À Kolobela nani? À ce peuple. De Yahwa Kolobela libotalié. Qu'est-ce que l'Éternel lui parlera? Yahwa Kolobela Bangonini. Akolobela Yenini Libotango. Qu'est-ce qu'il parlait? Il lui disait. Azeko Ebisaye. Voici le repos. Dans la Bopé Miango. Voyez. Oh moni. L'Éternel parlera à ce peuple. Yahwa Kolobela Libotango. Voici le repos. Ako Ebisaye Tala Bopé Miango. Voici la journée chômée. Dans la mokolo ya bopemi. Alléluia. Amen. Dont les travailleurs peuvent se reposer. Mokolo moye basali bakoki kopema. Alléluia. Amen. De toutes leurs œuvres. Utana misra na bango nyonso. Qu'ils les faisaient. Oyo bazalaka kosala. Toutes leurs corvées vont les forcer à travailler. Amen. Amen. Alors nous devons nous reposer. C'est pourquoi en ce jour-ci, le Seigneur a lancé l'invitation. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais malgré ce langage du Seigneur, barbare, par des hommes aux lèvres barbissiantes, il disait au peuple, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Non, pas voulu. Écoutez. Koyoka. Et pourtant, Zokande. Selon l'ordre donné, écoutez-le. Boyoka ye. Nous devons l'écouter. Tosengeli koyoka ye. Mais eux, Kasibango. Non, pas voulu l'écouter. Balinga kata mukete koyoka ye. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, le parler à langue est un signe pour les non-croyants dont le Seigneur les appelle. Il leur relance l'invitation à venir se reposer. Mais ils ne veulent pas l'écouter. Ce n'est pas pour nous. Pour nous. Pas le parler à l'âme. Pour nous, c'est la prophétie. Parce que nous, nous l'écoutons. Nous l'écoutons. Nous l'obéissons. Nous mettons sa parole en pratique. Nous vivons selon les Écritures. Amen. Amen. Frère Mundele, César, derrière toi.
La parole de Dieu est merveilleuse. Alors c'est comme cela. C'est comme cela. Ça se trouve ici. Que je vous le lise. Il dit ceci. Ah oui, voyez. Dans verset 20, il y a 1 Corinthiens 14. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du juge. Mais soyez des enfants pour la méchanceté. Un enfant ne pas un méchant. N'aime pas la méchanceté. C'est ça. Donc, nous étali kanza. Vous se concerne la méchanceté. Bino boza la bana bake. Soyez des enfants. Mon amour, c'est un mutima ya mabete. Un enfant n'est pas méchant. Mutima likundu. Un cœur mauvais, non. On se le bango makambo azandok. On le calomnie les petits enfants. Oh, c'est un sorcier. Non, c'est faux. Ya lokuta. C'est faux. Amen. Mais nous, il y a le jugement. Mais pour ce qui concerne le jugement. C'est-à-dire discernement. Ne soyez pas des enfants. Parce que mon amour, il y a un jugement. Parce qu'un enfant n'a pas de jugement. Il y a un discernement des choses les meilleures. On peut le tromper facilement. Bon, tu vois quoi, ça n'a pété. Mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Voilà, des adultes. Des matures. Pas des mineurs. Amen. Est-ce que c'est clair? Mais il va dire ceci. Il est écrit dans la loi. Ici, quand il dit de la loi, ce n'est pas Lévitique, ni Exode, ou bien Deutéronome. Mais il appelle la loi ici la partie de l'Ancien Testament. Il fait allusion à Ésaïe 28. Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue. C'est-à-dire barbare. Un langage barbare. C'est-à-dire d'une autre langue. Et par des lèvres d'étrangers. Donc lèvres balbutiantes. Que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi. Ata bongo. Dit le Seigneur. Elobinkolo. Alors il dit ceci au verset 22. Par conséquent. Bonayango. Les langues. Bankota. Dans l'assemblée. Sont un signe. Ezali lembo. Non pour les croyants, pour la pandémie, mais un signe pour les incroyants. Pour la prophétie, au contraire, Zokande. Est un signe non pour les croyants, non croyants, pour la pandémie, mais pour les croyants. Pour la pandémie. Nous passons. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Notre repos à nous, c'est le Saint-Esprit. Et nous reposons des œuvres charnelles qui sont manifestes. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Qui sont manifestes. Galates. Chapitre 19. Chapitre 5. Verset 19. Nous devons nous reposer. Des œuvres mortes. Dit Dieu mort. Pour ne pratiquer que les œuvres vivantes du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est comme cela. Notre temps est fort avancé. Nous devons nous arrêter. Voyez-vous. Le premier travailleur, c'est notre Dieu. Genèse 2. Genèse
Asali banda Genèse premier. Il a travaillé depuis Genèse premier. Et totangi awa na chapitre 2. Nous lisons ici au chapitre 2. Verset 1. Ainsi firent achever les cieux et la terre. Na bongo si sama ki balola mpe balola. Et toute leur armée. Et longo na mapinga na ngonyoso. Dieu Zambé acheva au septième jour son travail, son œuvre qu'il avait fait ou qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de tout son travail, de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait travaillé. Il se reposa le septième jour. Dieu bénit le septième jour. Nzamba pambola ki mokolo masambo. Et il le sanctifie. Pe a santi sa ki yango. Parce que en ce jour, poete na mokolo mona, il se reposa. Ya pe maki. De tout son travail. Uta na mosana ne mobimba. De toute son œuvre. Uta mosana ne mobimba. Qu'il avait créé. Oya kela ki. En la faisant. Na kosala ka yango. En travaillant. Na kosala ka mosala. C'est le grand travailleur. Inde mosali monene. Le numéro un. Ya yambo. Le travailleur, c'est Dieu lui-même. Ya basali. Mosali ya yambo katina basali zanzambe moko. Il mérite d'être PDG. Ya bonji koza la PDG. Il mérite d'être le roi. A bonji koza la mokonjango. Le président. Président. Même ministre du travail. Attends, ministre du travail. Alléluia. Amen. Il lui peut être tout. Ya koki koza la nyonso. Pour nous, il est tout. Bona biso aza nyonso. Il a été fait tout pour nous. Ya sala ki nyonso pona biso. Il a été fait. Ya salaki. Asalama. Il a été fait. Ya salama. Pour nous. Ponabiso. Il a été fait tout pour nous. Ya salama nyonso ponabiso. Amen. Amen. Il est l'agneau. Ya zamona pate. Pour nous. Ponabiso. Le rédempteur. Mosikoli. Pour nous. Ponabiso. Le sauveur. Mobikisi. Pour nous. Ponabiso. Dieu. Zambe. Pour nous. Ponabiso. Voyez frère. Bomonima. Guide. Pour nous. Ponabiso. Berger pour nous. Ah, il a été fait tout pour nous. Ya salama nyonso pour nous. Amen. Biso tozon demandé lolenge lona. C'est de cette façon là que nous croyons. Maintenant nous sommes au septième âge de l'église. Ça tozon le ko ya sambo ya ecclesia. C'est l'achèvement. Ezabo suki sami. Dieu acheva son œuvre le septième jour. Ezabo suki sake mosala moyena mokolo. Maintenant c'est l'achèvement. Ça c'est ezabo suki sami. L'achèvement des messages. Même l'achèvement de la prédication. Et de l'enseignement. Des âges de l'église. C'est maintenant. L'âge de l'achèvement. Le septième. Yasambo. Amen. 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 Est-ce que ça pourrait le? Est-ce que c'est clair? Bientôt là. Kalate. Tokokota na septième jour. Tokokota na mokolo mwa sambo. Depuis que Adam Outa Adama a été placé dans le jardin d'Eden, a été mis limbo, na en tant qu'homme terrestre, jusqu'à aujourd'hui, kino au moins 6000 ans. Et nous tendons bientôt vers le septième jour. C'est-à-dire, septième millénaire. Tous au moins 6000 ans d'Adam jusqu'aujourd'hui. Calamingité, tous au côté de la septième millénaire. Mais septième millénaire, avant comment, puisque tu as enlevé. Maintenant, au septième millénaire, nous reviendrons ici sur la terre. Pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Kotona, et c'est dans ce moment-là qu'il y aura le repos. Pourquoi? Bonani. Parce que nous avons beaucoup travaillé. Maintenant, le repos là, et vous allez reposer y a ma œuvre de la chair. Et vous le repos d'aujourd'hui, les alinés à Missala et à Moussouni. Ce sont le repos des œuvres de la chair. Par rapport au baptême du Saint-Esprit, nous reposons des péchés. Nous répétons plus mais ça. Le repos
repos du millénium. Le repos du millénium. Et gozalande ya gosalera nzambe. Ce sera de servir Dieu. Parce que to salera nzambe, to salera nzambe, to salera nzambe. Nous avons beaucoup servi Dieu. Il faut pétopema. Nous devons aussi nous reposer. Croyez-vous cela? Bon limango. To kopema un jour devant Dieu. To kopema mokolomoko le bosona nzambe. Et un jour devant Dieu dans les ciels, quand on compte ici sur la terre, les amis là, et mille ans sur la terre, si Dieu veut compter ça aussi, les amis un jour, les amis nous sommes comme cela que nous croyons. Donc, septième millénaire. Et septième jour. Alors, il y a sabbat. Nous nous reposerons. Parce que frère, dimanche à l'église, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi soir, nous veillons, nous jeûnons. Nous refusons les choses du monde. Nous prions Jésus. Nous les chantons. C'est un travail. Nous sommes en service. Nous sommes en travail. Nous sommes en travailleurs. Nous sommes en mais le Seigneur ne laisse pas comme ça. Un jour il va nous reposer. Croyez-vous cela? Amen. Et notre repos sur la terre, ça sera pour 1000 ans. Nous ne travaillerons plus. Donc, Moussala y a déjà des bons abissos. Et alors, c'est comme si nous sommes à la retraite. Tosala, tosala. Nous avons travaillé. Nous devons nous reposer. Amen. Amen. Yango, nazosuka. Ça se trouve ici. Je vais finir. Bolimbisanga. Excusez-moi. En tout cas, nazosuka mutema passe. En tout cas, je sens mal au cœur. Pour continuer. Pour mezaka kopela kata kata kata. Le cœur brûle. Arrête. Ah oui. Regarde, c'est ici. Moi, je veux que vous preniez des écritures. Pour que personne ne vous trompe ou ne vous embrouille. Que vous soyez trompé ou abusé. Non, non. Les trompés, non. Ne soyez pas détrompés. Vous devez savoir que c'est écrit ici. Dieu l'a dit, si ça se trouve ici. Bino. Vous. Vous êtes enseigné par Dieu lui-même. Allô, Bibo. Il dit ceci. Il dit. Ah oui. Verset 1, il y a chapitre 4, il y a Hébreu. Il y a Hébreu. Craignons donc. Nabongo tobanga. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Wane la kaya koinge la kati na bope mine ezali nano. Qu'aucun de vous et te moko te kati na bino ne paraisse être venu trop tard. Amona ndeta koyana simantango koleka mingi. C'est pas bien. Ezamala mute. Il faut venir et attendre. C'est koyana ntango. Pour que tu entres dans son repos. Ne paraissait pas être venu trop tard. Amen. 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 Maintenant, au verset 3. Pour nous qui avons cru. Nous entrons. Dans le repos. Nous nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quand? Quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Voilà, ande aye kolobali lobali na. Alors qu'il a dit cela. Que nakati chereka bakoingera te kati na bopemi nangai. Et j'ai juré qu'il n'entrerait pas dans mon repos.
Mais après, c'est après avoir tout créé. Et qu'il a écrit qu'il s'est reposé. Mais il dit qu'il n'entrera pas dans mon repos. Donc il y a un autre repos. Car Zambie. Il a parlé quelque part. Il y a l'oba qui n'est si qu'à Mokoboye. Ainsi du septième jour. Aloba qui n'est si qu'à Mokoboye, bongo nantina mokolango ya sambo. Et Dieu Benzambé se reposa de toutes ses œuvres. Après Makuta na misa le septième jour. Namokoloma sambo. Tout ce qu'on a engagé par verset Isusu Isali. Nous venons de les lire. Il y a d'autres versets encore sur ça. Et ici encore. Péwa Isusu. Il dit, il n'entrera pas dans mon repos. Il y a le but, Bakoko tate kati na upemi nangai. Oh. Zokande. En disant cela. Nakoloba kango. Nous voyons. Tuzo komona. Qu'il y a encore. Et tes amis les sousos. Réservé à quelques-uns d'y entrer. Et vous m'amenez là-bas, moko bakota kuna. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Zokande poète, vous m'amenez là-bas, moko pona kokota kuna. Que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés. Pepoete baye et paina bango yambo yambo lakango pesamaki bakota kikunate. À cause de leur incrédulité. Nantina kozanga bot kozanga kozanga kondima na bango. Et de leur désobéissance. Pena kozanga botosi na bango. Dieu fixe de nouveau un jour. Nzamba kati mbala moko lisusu mokolo moko. Aujourd'hui. Lelo. Quand il dit aujourd'hui, lelo, c'est un nouveau jour. Ezali mokolo mosusu. Dieu fixe. Nzamba kokata. Pas hier. Ezate lobele ka. Non pas demain. Ezate lobele ka. Mais aujourd'hui. Kasi lelo. Dieu fixe un jour. Nzamba kokata mokolo moko. Aujourd'hui. Lelo. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, si Josué, par rapport à la promesse de Canaan, et par rapport à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et à rapport avec le repos en Canaan, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ça veut dire ce repos-là. Il y a Josué. Les Josué. Les enfants d'Israël à Cana. C'est juste le type. Parce que Dieu a pris Josué. Il a fait entrer les enfants d'Israël à Cana. Tu l'as promis dans le repos. Le repos des enfants d'Israël à Cana. C'était par rapport aux crevés auxquels ils étaient soumis en Égypte. Voilà. Bongo. Misalamina. Ces travaux-là. Basundola kayango. Ils avaient tout abandonné. Tango bakoti na kana. Quand ils sont entrés en Canaan. Mutute lisusu asalisaki bango misala ya ndenge wa. Personne d'autre ne les avait poussés à. Non. Personne. Bape maki. Ils s'étaient reposés. Mais, si me y a Josué, après Josué, na psaume, na loembo, njambe alobi, je dis, bako kotate na bope minanga. Ils n'entreront pas dans mon repos. Tango alobi ndenge wana, quand il dit cela, c'est-à-dire kope meza du susute o ya kana. C'est-à-dire le repos, ce n'est plus celui de Kana. Il y a un nouveau jour. Oyo etonga moko ya bato boye ekokota na kope ma. Où un groupe de gens entreront dans le repos. Les joie mi kope ma mususu. Il y a un autre repos. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Oh ya lobi. Il dit. Boyaka kope mabino bato bolembi na bojito pe na mikumba. Venez vous reposer, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Na musala pe na mikumba. Na kope misambilimo na bino. Je repose. Eza kope mi ya milimo. C'est le repos des âmes. Na musala ya mabe yango ezaki kosala. De mauvaises œuvres qu'il pratiquait. Oyambi eli musanto. Tu reçois le Saint-Esprit. Et dans la foi. Katina kondima. Yo wana opemi. Tu es en repos. Amen. Amen.
Est-ce que ça pour elle? Est-ce que c'est clair? Mais ce qui va n'atter. Mais ça ne s'arrête pas là. Alobili susubui. Il dit encore ceci. Ça ne s'arrête pas là. Verset 9. Mononga. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Il doit se reposer. Aujourd'hui, les Congolais ne travaillent pas. La journée d'aujourd'hui, c'est la journée du repos. Point de travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans le centre-ville? Va au centre-ville. Les bureaux sont fermés. Va bureau Zako Kangam. Les travailleurs se reposent. Basali Bako Pema. Au Canada. Le Canada. Le 1er mai. 1er mai. Ezali journée, il y a bas salarié. Ezamo Kolo Abe Bazokali Foot. Voilà. Bongo. Bas Foutami. Les salariés. Voilà. Bongo. Mais aujourd'hui. Merci de l'eau. Dans beaucoup de nations. Qu'est-ce qu'il y a vu le Vélé? Ezali chômé pour ne pas travailler. C'est chômé pour les travailleurs. De tous leurs travaux, il faut pas paiement. Ils doivent se reposer. Mais ils sont dans le spirituel. Aujourd'hui, Lélo. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons si pas nos cœurs ou notre cœur. Croyons ton dima, pour que nous entrions tokota, dans son repos. Et celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Amen. Alors, quelles sont nos œuvres? C'était les vols, le querelle, les critiques, les combats, la colère, la jalousie. Mais ce sont nos œuvres. Ce que tu continues à couper, manaye. Nous entrons dans ce repos. Nous devons nous reposer de ces œuvres-là de la chair. Les lots. Aujourd'hui. Pas l'obi, mais les lots. Pas demain, aujourd'hui. Dans le jour du sali. Nata ya grâce. Nous devons nous reposer. Namisala oya biso de nos œuvres ndenge benzambe de même que Dieu apemaka na oya ye c'était reposé des siennes. Yawa, ça se trouve ici car celui qui entre dans le repos de Dieu Zambé à côté quand on fait se repose de ses œuvres comme Dieu se reposé des siennes. Ya pema ki uta na misala miaye de la même manière de moko. Amen. 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 Les gens ne savent pas le jour où Jésus viendra. Je pense que je m'arrête ici. Yoka. Écoute. Toujours j'ai l'encolo. Nous attendons le Seigneur. D'abord pour l'enlèvement. D'abord pour l'enlèvement. Et ensuite, Penasiman. Nkolo akozonga akoya lisusu ana mabele. Le Seigneur reviendra ici-bas. Pour régner. Pour régner. Et pendant cette venue, et regardez ce qui se fera. Allô, Biboui. Il dit ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. C'est une preuve. Verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugé digne du royaume de Dieu. Preuve quelle année la preuve? Si tu lis un peu au-dessus, tu verras cette preuve-là. Verset 4. Aussi, Nabongo. Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez
à supporter. C'est une preuve. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Pour lesquels vous souffrez. Si aujourd'hui vous souffrez, c'est à cause du royaume de Dieu. Si vous êtes affligé aujourd'hui, c'est à cause du royaume de Dieu. Vous êtes méprisé, c'est à cause du royaume de Dieu. Et vous serez digne de ce royaume de Dieu dont vous êtes persécuté aujourd'hui. On se moque de vous aujourd'hui. C'est à cause de ce royaume. C'est là, c'est une preuve. C'est une preuve du jugement de Dieu. Que vous, vous êtes jugé d'une du royaume de Dieu. Pour lesquels vous souffrez. Pourquoi vas-tu régner avec lui? Tu refuses de souffrir pour ce royaume. Les gens qui ont souffert avec Désiré Kabila. Ceux qui sont venus régner au Congo. Voilà. Bongo. Ceux qui souffrent avec le Seigneur aujourd'hui. Ils régneront avec le Seigneur. Amen. Amen. Oui, 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 oui. Iyo, iyo. C'est comme cela. C'est pas autrement. C'est pas autrement. C'est comme cela. C'est la vérité. Notre Dieu, le bon Dieu. C'est vrai, nous régnerons avec lui. Regardez ce qu'il dit. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, dans des persécutions, dans des moqueries, dans des épreuves, nous régnerons aussi avec lui. Amen les affaires. Amen. Nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons. Bien aimé dans le Seigneur. Et ici il dit, cela est vrai. Oui, yo. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous, vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Pour lesquels vous souffrez. Nous ne souffrons pas pour le Congo. Nous souffrons pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Car, Jambi, écoutez, Boyoka. Il est de la justice de Dieu Jambi ezali na bosembo ya Nzambe, de rendre l'affliction ya kozongi sa munyoko, à ce qui vous afflige. Et pas baba konyoko labino. Ah, ah oui. Et la justice ya Nzambe, eza bosembo ya Nzambe, kozongi sa minyoko, il rendra l'affliction. Et pas ya banyoko li na biso, à ceux qui nous affligent. Biso to konyoko mabona bokonzi bwa Nzambe. Nous souffrons pour le royaume de Dieu. Banyoko li bakonyoko la biso, ceux qui nous affligent. Mokolo ango Nzambe ya kozongi sa bango pe minyoko. Ce jour-là, le Seigneur le va leur rendre l'affliction. Aidez-vous donner dans la même justice de Dieu à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Du repos avec nous. Quand? Maintenant, il précise le repos en question ici. Ce n'est pas le repos actuel, celui d'aujourd'hui. Des œuvres mortes. Non. Mais le repos futur qui est réservé pour le peuple de Dieu le septième jour devant Dieu qui sera septième millénaire. De vous donner à vous et pas Nabino, à nous et pas Nabiso, de nous donner à nous,
qui sommes affligés du repos avec les apôtres. Quand? Pas aujourd'hui. Mais lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Et dans cette apparition du ciel, avec les anges de sa puissance, vous constaterez que ici ce n'est pas l'enlèvement. Parce que lors de son apparition pour l'enlèvement, il ne sera jamais accompagné avec des anges. Est-ce que c'est clair? Mais lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Et pendant cette apparition, cette venue, pour punir ceux qui ne connaissaient pas Dieu et ceux qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils seront punis. Mais lors de l'enlèvement de cette venue que nous sommes dans l'attente, le Seigneur ne punira personne. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Ceux-là bah, qui n'obéissaient pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus et qui ne connaissaient pas Dieu, qui rejettent son offre de la grâce, qui nous persécutent, qui nous affligent aujourd'hui, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, ils seront ôtés de sa présence. Mais c'est à ce moment-là que pour eux, ce qui leur arrivera, ce qui est mentionné ici, mais à nous, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié, dans ses saints. Ah, ah non. Frère, Bolembi Nini. Êtes-vous fatigué? Mais vous allez manger. Premièrement, manger la nourriture solide. Des âmes. Je pressens que Bolingi Kobima. Je pressens que vous voulez sortir. Hein? Vous sortez maintenant même. Kalate Boko Bima, Kalate. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Maintenant, au verset 7, aidez vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Le repos ici, c'est le mila. Parce que pendant cette venue, les avenirs règnent. C'est pas n'importe quelle venue. Quand ils viendront nous donner du repos, eux seront punis. Nous serons le repos. Et nous nous reposerons pendant 1000 ans ici sur la terre sans travail, sans travailler. Mais aujourd'hui, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Car notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Il y a une rémunération. Il y aura un salaire. Il
une récompense qui est grande, qui nous est réservée dans les cieux. Amen. Amen. Et nous aurons aussi notre jour de repos. Pendant 1000 ans ici sur la terre, nous n'allons plus jeûner. Nous nous assierons sur des trônes. La Vierge folle. Folle. Martyr à la Deuxième Guerre mondiale. Dans 144 000. Ils vont chanter. Ils vont chanter pour le roi. Et nous sommes assis sur des trônes. Ils sont en train de servir. Nous nous reposerons. Est-ce que c'est clair? Mais aujourd'hui, travaillons. Tous ne soyons pas des paresseux. Servons Dieu. Servons le Seigneur. Mettons-nous à l'œuvre. Dieu n'aime pas les paresseux. Même au commencement, attendez, bandé. Tu as placé l'homme dans le jardin d'Eden. C'est pour travailler. Pour être à ça, afin qu'il cultive le jardin d'Eden. Qu'il garde la terre. Dans la Genèse 2. Dans la Genèse 2. Pour la garder, pour la cultiver. La terre. La terre. Et même après la chute, Dieu a dit alors. C'est avec la sueur de ton visage que tu mangeras suite à ton travail. Le travail de tes mains. Être croyant doit travailler. Si au Congo on a des travailleurs, dont aujourd'hui selon leur pays, selon leur nationalité, qui devait se reposer. C'est vous, chrétiens. Parce que vous êtes des vrais travailleurs. La Bible nous avertit au sujet des paresseux qui ne font rien, qui s'occupent des futilités, qui ne font que circuler ici et là. Bavarda partout, racontant des choses grossières, et ils ne font rien. Aide-moi. Nous avons des gens qui devaient demander de l'aide à l'église. Et même nous-mêmes. Tout ça va aveugle. Nous ne sommes pas aveugles. Tous les handicapés étaient. Ils sont pas handicapés. Bon, l'histoire du soir de Yannine. Maintenant, cette aide-là, c'est à cause de quoi? C'est de la paresse. Ils ont dit qu'ils goyouana. On veut pas travailler. L'histoire des alliés belés à Wata, il y a bureau sur les joies. Il y a même beaucoup de travaux, même s'il n'y en a pas pour les bureaux, il y en a beaucoup, beaucoup de travaux. J'ai rencontré quelques frères. J'ai rencontré un frère, Nalibong. Avec son chariot. Tu ne peux pas pousser un chariot? Hein? Tu restes comme ça, mon frère. Il n'y a pas d'emploi. Demande d'emploi. Pour pousser un chariot, il faut écrire une demande d'emploi. Demande d'emploi. Demande d'emploi. Il faut écrire pour pousser. Même Moussala Yandako. Même les travaux ménagers. Même repasser les habits. Faire la vaisselle. J'ai été élevé ici à Kinshasa. Ma grande sœur avait des domestiques. Non, pas seulement. Awa, ne bat pas aux joies bonnes. Si mais ma grande sœur, les aïga, ban, amisra, y a ban, amiban. Et chez ma grande sœur, c'était seulement des hommes. Qui pouvaient même préparer de la nourriture. Je connais mon co Albert. Qui préparait de la nourriture pour nous? Albert, Azé Colomba. Un garçon de Bandoun. Tu vas faire les travaux ménagers. Tu vas chercher quelque part où repasser les habits. Tu ne peux pas aller faire la vaisselle quelque part. Moi j'ai fait la vaisselle. J'ai lavé le couche. Tu ne peux pas faire ce genre de travail et tu es payé, on te paye pour ça. Oh, pasteur a bloqué
Oh, le pasteur a bloqué, on n'aide plus les gens. Tu n'as pas lu dans la Bible, on aidait qui? Ce sont les pauvres qu'on aidait. Mais analyser pauvre, mais on va analyser, le pauvre veut dire quoi? Pas seulement, oh pauvre, je suis pauvre. Qui était un pauvre dans la Bible? Qui était indulgent dans la Bible, c'était qui? Il faut que Dieu nous aide. On ne peut pas devenir paresseux comme ça. On ne peut pas, non, non. Quand on était avec Frère Kalonji, est-ce qu'après culte, on attendait les tickets de bus? On restait assis là pour qu'on nous donne les billets de transport, l'argent pour les transports. On était resté assis quel jour? On restait assis quel jour? Les gens qui œuvraient comme diacres sont là. Tu as fait attendre combien pour leur donner le transport de retour? Jérémie, tu peux les voir. Ils ne te voient pas. Lève-toi et dis-nous. Il est là. Du temps des frères Kalonji, il y avait un groupe de gens qui attendaient le transport de votre part. Il y en avait? Mon pépé souffle en main. Je n'entends rien, hein? Les vents soufflent dans mes oreilles. Bazaraki? Est-ce qu'il y en avait un groupe de gens? Maintenant, on va commencer ça aujourd'hui. Non. Même au sujet des veuves. Attends, est-ce que Bazaraki n'a registre à ma veuve? Avez-vous le registre des veuves? Il n'y en avait pas. Ne pensez pas que les choses, c'est aujourd'hui que les choses ont commencé, non, non. Mais le registre des veuves, c'est biblique. C'est dans la Bible. Mais il faut qu'on remplisse les critères. Et c'est ce qu'on dit, ça m'a singuli. En disant cela, ce n'est pas que ton coup était une veuve. On ne veut pas dire, oh, c'est fini, on ne peut pas aider une veuve. Qui est dans le besoin? On peut l'aider. Et elle sera aidée par les siens. Voilà. L'Église prend soin des siens. Église a mukumba. Et l'Église, c'est nous. Église a ngonde biso. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Si nous voulons une caisse, contribuons comme les croyants de l'Église primitive. Et on aura une telle caisse. Pour ces services-là. Mais aujourd'hui, cette caisse-là n'existe pas. Peut-être quelques-uns vont contribuer. Il y a quelques-uns peut-être qui contribuent. Mais ce que chacun de nous, si chacun de nous commence ce temps-là, chacun donne, met quelque chose là, il y en aura la caisse. Et les nécessiteurs seront aidés. Parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est seulement nous qui aiderons les nôtres. Comme classakate na liste ya bao yo basengeli kozwa lisungi awozo meritete. Alors toi-même ne te classe pas de la liste. Osungaka, c'est toi qui devais aider. C'est toi qui devais aider les autres. Parce que yozo sunga de nani awozo. Alors si toi tu ne le fais pas, tu n'aides pas, qui va aider? Totele. Lève-nous. Amen. 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 Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que c'est clair? Église au besoin monde. L'église que vous voyez. École. C'est une nation. Bikolo biso bafandi lelo pona bopemi ya batra. Toutes les nations chôment aujourd'hui pour la fête des travailleurs, les repos des travailleurs. Ekolo ya biso pe ya lola. Notre nation à nous céleste. Biso tope makala. Nous nous sommes reposés depuis longtemps. Mokolo na mokolo tope makaka. Chaque jour nous nous reposons. Na misala ya mabe. Des œuvres mauvaises, des mauvaises œuvres. Il faut qu'on paie. Il faut se reposer. Il faut se reposer de toutes ces œuvres. Ne les pratiquons plus. Ces œuvres-là, ne les pratiquons plus. Reposons-nous-en. N'aie pas les désirs. Oh, moi j'ai fait ça, comment j'ai abandonné ça. Non, non, ne répète plus ça. Repose-toi pour toujours. Nous allons prier. Njambe. Matondo.
Yo bongi na lukumu. Na masanjoli. Na koyembe lama. Po zanzambe moko ya solo. Mpe bomo yango wase. Na boyoga ni buaka. Yeti na mai koyembe la yolo. Yembo moko lasi. Tumoni resulta ya mosa na yo tuyembe liyo luyembo la si basani ya njenje basani na nolo swani kemo lukukupe basani mesi Messi, Hokuma, Yosat, Sumangai, Za. Na yoka yota ko lance mbela ya bopeno. Pena kota, par la foi j'entre dans ton peuple. On y entre par la foi. Sans la foi, on ne peut pas y entrer. Mais c'est par la foi qu'on y entre. Dans le repos. Dans ton repos aujourd'hui. C'est pourquoi donne-moi la foi. Et donne à tout un chacun la vraie foi. Pour que nous entrions dans le repos. Pour que nous nous reposions de nos œuvres mortes. Comme toi, Dieu, tu t'es reposé des tiennes. Merci. Et mon anak et mon toi a béni. Baloukayo, Nabilo Kohamo, Bamona Yolisisu. Oh, béni. Mato. Que mon anoku. Yoyambaya. Merci. La couve à colo, pémogati, abyssonnés, prés. Seigneur, tous abanes et un royaume de Dieu. Père, tous abanes, roi spirituel. Ma prince, ma princesse. Comme de la Belgique, c'est une nation. Mais c'est un royaume. Bisopé, une nation sainte. Mais un saint royaume que nous sommes. Là où le roi règne. Règne sur moi. Règne sur nous. Merci beaucoup, Tata. Ouzouankembo. Lokumupe masanjo. Yokokani na mutu mokote. Ule kibato bazi. Sunga mwana wa mobali, sungo ya mwazi. Seigneur, tozo linga kusundula, metozo kokate. Misala ngo, ekoma lukula mimesano. Me, yo lingite, makambo yo eza la momesano. Eza lukula bokoko. Yo lingi moto abuta masika. Akoma ikilamu ya sika. Makamu nyosu ya kalamarungwa. Malimwa. Nyosu kati na ye. Ekoma ya sika sika. Merci beaucoup. Sunga ndeko mubali nyosu. Sunga ndeko mwasi nyosu. Misala ya musuni. Emona na kapolele. Yebani. Soki na kati na biso mutu wazo pratike angu. Memba pakano bako mona. Memba ndimi bako yeba. Te. Topema. Tope ma utana misala miso mina. Tosale la yo. Tope ma na misala musuni, misala masumu, misala ya kufa. Tosale la yo. Misala ya kundima, emo ni samakati na biso. Tucha yu bananzami na musala. Merci beaucoup. Kembu na lukumu, ya bonga kanango. Ezaka yomoko.
Frère Chitala peut venir prier. C'est un travailleur. Yaza Mosali. Chitala Patrice. Chitala Patrice. Na fête à l'élo du travail. N'antégalélo à Mosala. Repos dans le spirituel. Le repos que nous avons dans le spirituel. Ba mon copé dans le physique. Ba mon copé katina zotro. Priez frère. Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste, que ton nom soit glorifié, parce que tu es un Dieu bon, compatissant dans la colère et dans ta bonté, ta grâce que nous sommes ici. Nous avons écouté ta parole. Vraiment, le conseil de Dieu était trop vaste. Nous retenons que nous devons prendre soin des serviteurs de Dieu. Et nous retenons aussi que nous devons nous reposer des œuvres mortes. Fais grâce à chacun de nous de comprendre que nous sommes morts quand on péché. Mais étant dans ce corps, le diable attaquera toujours. Mais de nous rappeler notre chemin de la croix. Jésus-Christ, merci pour cette parole merveilleuse et que la gloire te soit rendue au centuple. Merci beaucoup, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a prêché et aussi bénis les voies qu'il prépare pour l'Afrique du Sud. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Tozui bambote ya tekonabiso mobali Israël Lodi depuis Bruxelles. Nous avons des salutations des frères Israël Lodi depuis Bruxelles. Rodrigue Kakoti depuis Matadi. Rodrigue Kakoulé depuis Matadi. Michel Djonga depuis Paris. Le frère Michel Djonga est à Paris. Ruth Massoudi depuis Angleterre. La sœur Ruth Massoudi est en Angleterre. Eux tous nous ont envoyé des salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Didier Tshitundu est arrivé ici hier soir. Il vient pour les travaux qu'il a toujours fait des fois. Je crois que Sokazanano, Tokozangate, Komuna et Nakuyangana. Je pense que s'il est encore parmi nous, il ne manquera pas, nous ne manquerons pas de le voir à l'Assemblée. Deko Ferdinand Kabongo, ya Kasumbalesa. Le frère Ferdinand Kabongo de Kasumbalesa. Oui, à Kendeke, na Congo Brazzaville. Qui s'était rendu au Congo Brazzaville. Ye Aoutake avant-hier. Il est revenu avant-hier. Hier. Et hier. Il a voyagé pour la province du Bas-Congo. Et il nous a salué tous au nom de Jésus-Christ. Après une ou deux semaines, il sera de retour ici. Ensuite, il se rendra à Kasumbalesa. Voilà. Bongo. Degodona est toujours à Luanda. Frère Dona est toujours à Luanda. Dès que Joseph Lobé a commencé qui demande un visa sud-africain. Le frère Joseph a introduit hier la demande du visa sud-africain. Nous verrons par la volonté du Seigneur si on va les lui accorder. Frère André a zoomé la Chine populaire. Frère André est en chef dans la Chine populaire, notre diacre. Et frère Mukendi, les lois zoomé en Espagne. Le frère Mukendi aujourd'hui se trouve en Espagne. Ne les oublions pas dans nos prières. Basango ya matanga. Les nouvelles nécrologiques. Pona ba nouvelle ya deuil. Les nouvelles des deuils. Pona de ko na biso mwasi Lusamba. Boy. Lusamba. Pour la sœur Lusamba. Mwasi ya frère Lambert Batumola. Ah, la femme de frère Lambert Batumola. Programme est modifié. Le programme a été modifié. Compte tenu ya ba transport. Compte tenu de transport. Bangaki comme ma zoto ango na nzira ya
Congo central, Sogina, Kimberley. Kimberley. On voulait amener le corps vers la route de Congo central au cimetière Kimberley. Mais compte tenu à l'embouteillage. Mais vu les embouteillages. Et Zana Mutumoko a pensé que Bango Lilita na Gombe. Et il y a quelqu'un qui leur a accordé un sépulcre à Gombe. Une et sépulture. Puis, alors, Sikoyo, de Balobi, à Gombe Kuna, Malite et Tonda. Ils ont dit à Gombe là, c'est déjà plein. Si tu attends qu'on a trouvé une sépulture, les gens qui ont acheté hein, comme des terres. Là au cimetière de la Gombe, il y a des terrains que les gens se sont achetés. Il pouvait acheter pour lui-même et toute sa famille. Et il peut revendre. Et on achète, on va t'enterrer là. Alors, n'importe quel jour. La loi dit qu'on ne peut pas enterrer n'importe quel jour. De peur qu'on dise qu'il y a encore de la place au cimetière de la Gombe. Là, ce sont des particuliers. Alors, on a gardé 3 jours. Mercredi. On peut enterrer. Vendredi aussi. On peut enterrer. Et le dimanche. Alors, si koyo bango mercredi place les agrisouté. Maintenant pour le mercredi, il n'y avait plus de place. Parce qu'il faut pas programmer bino. Parce qu'on doit vous programmer. Bago kundate na mbalamoko ko leka bato mitano kuna. On veut pas enterrer par jour 5 personnes, plus de 5 personnes. Non, au moins 2 personnes, au moins une personne. 2 une personne par jour. Alors, jour na bango isa vendredi. Alors leur jour c'est le vendredi. Que le corps de la sœur retournera à la terre. Hier moi-même j'étais là la nuit. C'est là que j'ai eu ce programme. À partir de 11h à 12h. Ça sera à partir de 11h à 12h. D'ici à cinquantenaire. Il y aura toutes les cérémonies funéraires qui auront lieu là-bas. Après cela, on achemine le corps au cimetière de la Gombe. Donc, l'obé est parti à 10h. Non, vendredi à partir à 10h. Après demain, vendredi à partir de 10h. À 11h. 10h-11h. Il faut Kukuta Makuna. Nous retrouvons là-bas. En mémoire de notre sœur. Et ensuite, Kokende Namalita. Et aller au cimetière. Et par ces nouvelles-là, que nous clôturons notre culte. Que Dieu bénisse chacun pour la journée chômée des travailleurs. Amen. Êtes-vous des travailleurs?